Bonjour à tous, je suis Didier Navarrete, formateur professionnel en MAO depuis 2010. Sur mon site www.tuto-mao-guitare.com, je suis très très heureux de vous présenter ce tutoriel sur le premier synthétiseur analogique de chez IKEA Multimédia. Il s'appelle le Uno Synth. Alors vous allez voir, cette petite boîte entre guillemets regorge eh bien de bonnes idées et de bons sons, et tout cela 100% analogique. Allez, je vous propose se familiariser avec le synthé. Premièrement, nous avons les presets ici et nous avons 100 presets. Donc on peut naviguer parmi les presets avec ces flèches. Il faut savoir que les 20 premiers presets sont des pré-réglages d'usine que l'on ne peut pas effacer. Et ensuite, on a eh bien, la suite des presets, donc les 80 suivants, qui contiennent hein, des sons, des programmations, mais que l'on peut réécrire par-dessus. Et bien justement, si je me mets par exemple sur le preset 22, et que je fais des modifications, et bien pour sauvegarder ces modifications sur le preset en cours, je vais faire un appui long sur le bouton preset. Et là, vous voyez, c'est sauvegardé sur mon preset 22. Je vais désactiver le séquenceur. Avec un temps de glide. On a sur la gauche un scale qui va définir la gamme, donc par défaut c'est chromatique, c'est-à-dire Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, etc. Mais on peut changer ça en majeur par exemple. Donc là j'ai les touches grises qui fonctionnent. Sur scale, je fais un mode mineur. Mi bémol ici. On a également d'autres gammes. Comme les majeurs pentatoniques et mineurs pentatoniques. Mineur harmonique, oriental, etc. On a ensuite un arpégiateur, donc je peux l'activer, jouer des notes. Les maintenir avec Hold. On pourra choisir la direction. Et on aura un séquenceur
avec différents steps. On retrouve le volume ici, hein, général. Et on a une fonction de tempo ici. Séquenceur de l'Uno Synth. Alors, on va voir qu'il y a trois méthodes, trois façons de faire. La première, c'est le step recording. Donc là, je suis... Voilà, j'ai un preset et je vais activer le séquenceur ici. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais effacer mes pas qui sont pour l'instant ici. J'appuie sur Alt et je fais avec ce bouton Clear, donc ça efface toute ma séquence. Donc là, j'ai un son. Ce que je vais faire, je vais me placer en enregistrement. Et là, vous voyez que j'ai le premier step. Donc je vais choisir une note. Allez, prenons A2, la 2. Je peux changer sa durée en appuyant sur Hold. Et je vais pouvoir modifier sa durée ici. Donc là, si je fais play, ok, très bien, je vais appuyer sur hold, voilà, j'ai ma durée. Donc maintenant, pour aller sur le deuxième step, eh bien, je vais appuyer ici, je vais choisir une autre note, voilà, et puis step suivant, voilà. Donc là, j'ai programmé ma séquence. Je peux faire play. Donc je peux toujours avec Alt Record changer les programmes du synthé. Quand vous avez fini votre séquence, pour la sauvegarder, eh bien, tout simplement, on fait un appui long sur Preset, ça clignote, on relâche et on appuie sur Preset et c'est sauvegardé avec votre preset de son. Donc, si je passe au 36, si je viens maintenant sur le preset que j'ai sauvegardé, 37, je retrouve ma séquence. Parlons maintenant des oscillateurs de l'Uno Synth. Ce sont des générateurs de sons. On a deux oscillateurs, le premier ici, le deuxième ici. Et puis on a même un générateur de bruit ici, le noise. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer longuement sur oscillateur et je vais baisser le level ici de l'oscillateur 2. Donc là, je vais avoir que l'oscillateur 1. Je rappuie ici. Alors, on va avoir différentes formes d'ondes, comme la triangle. La saut. La square. Et la pulse width. Alors, vous avez vu que entre, eh bien, on a des valeurs. Eh bien oui, parce qu'on va pouvoir passer d'une triangle, par exemple, à une saut. Donc c'est valeurs intermédiaires d'une saut à une square. D'une square
à une pulse. On va pouvoir ajuster le tuning de notre oscillateur, donc c'est par centième au départ, jusqu'à 99, et ensuite on passe par demi-ton. Et donc à plus 12 demi-tons, plus une octave. Et inversement, en centième au départ, et ensuite par demi-ton. Je peux maintenant activer le deuxième oscillateur qui a exactement les mêmes fonctions. Hein. Donc là, je n'entends rien. Pourquoi ? Parce que j'ai baissé mon level, mon volume. Vous vous souvenez de l'oscillateur 2 ici. Donc level 2. Parlons maintenant du filtre, ou je pourrais dire des filtres de l'Uno 5, parce que c'est un multifiltre. Alors, on va dans la section filter ici. Et effectivement, avec le premier bouton, on a le choix. C'est pour ça que c'est un multifiltre entre un low-pass filter, un high-pass filter et un band-pass filter. Donc, on choisit ici, par exemple, un low-pass. Alors, il faut savoir qu'ils sont avec une pente de coupure de 12 dB par octave. Et là, on peut ajuster le cutoff. Donc là, on va filtrer. Là, j'ai tout mon spectre sonore. Et là, je filtre et je vais couper des aigus. Avec l'Uno Synth, nous avons un arpégiateur que l'on active ici. Donc là, si je joue une note, vous voyez qu'elle est répétée. Bien sûr, si je joue deux notes, je vais avoir un arpège, trois notes. J'appuie sur Hold. Donc là, ça reste tant que je ne fais pas un nouvel accord. Et qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai la direction. Donc là, c'est Up and Down. J'ai up and down, mais avec une répétition. Down and up. Down and up, avec la note grave répétée. Random. Donc là, c'est aléatoire.